Le réseau Enfants Retour a dévoilé donc aujourd'hui une image où on vieillit donc un enfant qui est porté disparu il y a précisément 6 ans, c'est le 12 mars en fait, 6 ans. Donc, Ariel Kouakou, et l'image d'Ariel Kouakou, qui avait 10 ans au moment de sa disparition dans le quartier Ahuntsic, dans le nord de la ville. Bon, ce sont des experts de la Sûreté du Québec qui l'ont fait. On dit qu'on publie cette image-là parce qu'on veut montrer l'image de si le garçon est toujours vivant, quelque part, si on le croise, voici de quoi il aurait l'air. Et on dit qu'on veut aussi susciter les gens ou solliciter des renseignements qui pourraient aider le service de police de la Ville de Montréal dans son enquête. Mélanie Aubu, la directrice générale du réseau Enfants Retour. Madame Aubu, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, Monsieur Jean. Bon, j'entends qu'on diffuse cette image-là dans l'espoir que quelqu'un, quelque part, qui a vu quelque chose réalise soudainement que ce petit garçon-là, bien, c'est un petit garçon qui a disparu il y a 4 ans. Oui, exactement. Un enfant de 10 ans, ça change rapidement. On est rendu maintenant à 6 ans et on espère effectivement là, de pouvoir, bien, premièrement, informer le public de quoi il aurait l'air aujourd'hui à Riel et solliciter tout nouveau renseignement qui pourrait aider la SPVM dans son enquête. Bon, Ariel est disparu dans le nord de la ville, à Ahuntsic, près d'un parc, près de l'eau. Il y avait des traces. Les policiers ont souvent dit, puis je me souviens d'avoir interviewé les policiers là-dessus, souvent défendu la thèse que le petit garçon s'était noyé à ce moment-là. Et ça, la famille a toujours n'a jamais cru cette version-là. Et de fait, on n'a jamais trouvé la dépouille derrière. Et quand les gens sont noyés, en général, ils réapparaissent quelque part décédés, mais on arrive à retrouver le corps. Ça n'a jamais été fait. Les policiers disent quoi maintenant sur cette situation-là au SPVM? Bien, en fait, on pourrait leur demander à eux. Moi, Quand vous leur parlez, ils vous disent quoi, par exemple? Oui, c'est ça. Ce qu'on a su à travers les corps policiers, c'est effectivement, ils ont fait les recherches dans la rivière, ils n'ont rien trouvé. Donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Peut-être que c'est une des pistes, mais pour la famille, tant qu'il n'y a pas de finalité, tant qu'il n'y a pas une réponse exacte, c'est impossible de laisser ça aller. L'espoir va continuer d'essayer de trouver Ariel. Comment on fait, une fois qu'on a réalisé cette image-là, qu'on la diffuse, comment on fait la promotion de ça? Comment on distribue ça? Comment on garde l'espoir vivant, en fait, là? Nous avons des réseaux sociaux sur lesquels on transfère la nouvelle affiche. Il y a les gens aussi dans le quartier ville qui vont changer leurs panneaux pour afficher le vieillissement photo. On a des porte-paroles comme Victoria Charlton qui, elle aussi, communique le vieillissement photo pour essayer de rejoindre le plus de personnes possible pour que le plus de gens possible puissent avoir les informations par rapport au vieillissement. Parce que c'est ça l'affaire, c'est que c'est une disparition qui reste complètement mystérieuse. Oui, absolument. Et qu'on n'a toujours pas d'indice. Les policiers n'ont toujours pas trouvé aucun nouvel indice depuis. Il n'y a rien que les policiers dans l'enquête n'a trouvé. Et puis, dans le fond, on espère que ce qu'on fait aujourd'hui va permettre finalement de trouver quelque chose. Oui, exactement. Que ce soit un petit quelque chose que quelqu'un se rappelle de lors de la dispersion ou bien, étant donné qu'on a le visage d'Ariel aujourd'hui, quelqu'un aurait pu le voir récemment. Toutes les informations sont nécessaires pour pouvoir le trouver. Alors, ce que l'on voit à l'écran, donc, c'est ce portrait vieilli d'Ariel Kouakou, petit garçon de 10 ans, qui est disparu le 12 mars 2018. À Montréal, dans le quartier Ahuntsic. Vous voyez toutes les indications, les vêtements qu'il portait à l'époque, évidemment, s'il est encore vivant, puis on le souhaite. Tout ça a changé parce qu'il a grandi, mais il est disparu à Montréal. Et on diffuse cette image-là pour que si les gens voient quelque chose, bien, qu'ils le signalent aux policiers. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci à vous de transmettre toutes ces informations. Alors, ça nous fait plaisir, c'est notre travail. Merci. Mélanie Aubu, donc, qui est la directrice générale du réseau Enfants Retour.